Nous ne quittons pas le domaine sport puisque je vous ai réservé pour clore ce journal quelques images choc, je dirais, qui ont marqué le week-end. Et nous allons commencer par l'épreuve de Bicross à Bercy avec un résumé filmé que vous commente Denis Ferdet. Le Bicross a fait le plein à Bercy où épreuves de freestyle et courses se sont succédées à un train d'enfer. De 10h à 18h pour 60 francs en moyenne, on a pu apprécier les caïds de la spécialité. 350 pilotes français et étrangers ont assuré le spectacle. Avec 10 600 licenciés et bien plus de pratiquants, le Bicross offre une autre façon d'appréhender le cycliste. Xavier Redouat et Claude Vuillemot ont emporté le trophée Monet en 13 et 15 ans experts. Le super trophée professionnel a vu la suprématie des Américains Patterson et Anderson. Enfin, le record du monde de rebond sur la roue avant a été amélioré par Ghislain Janot avec 620 rebonds. Des courses étonnantes sur 300 mètres avec bosse, cuvette, virage, un sprint de 30 secondes. Où vous pouvez exécuter un Novocainer, un tabletop, un Hollywood ou un whoop-de-doo. Branchez le Bicross, on vous le dit, tout un art de vivre.